Hello tout le monde, c'est GeekGamerGee pour RetroValue et aujourd'hui on se retrouve une fois encore sur un jeu développé par Teka, et j'espère que cette fois-ci sera la dernière, édité par Conspiracy Entertainment. À croire que c'est une conspiration envers la PlayStation 2, car oui, c'est un jeu sur PlayStation 2, il s'agit de Sky Surfer. Et nous découvrons les différents sponsors, G-Shock, je crois que ce sont des fabricants de montres pour tous les jackies de sportifs, Oxygen, fabricant de snowboard apparemment. Ah, c'est très rassurant hein, de voir autant de pubs pour des sponsors avant que le jeu commence. Ça rassure toujours quant à la qualité du titre, on se dit, ça c'est un jeu qui a été fait avec passion, c'est pas juste un jeu qui est là pour faire de la pub. Et puis alors cette intro est vraiment magnifique, elle laisse présager du meilleur quant à ce qui va suivre. Et immédiatement après l'intro, on a le mode démonstration qui se lance automatiquement. Alors c'est un mode de jeu à part entière, parce que oui, quand on laisse tourner un jeu sans appuyer sur Start, on a toujours une démo qui se lance, mais là c'est vraiment un mode de jeu à part entière, le mode démonstration, qui n'est pas très utile, ça sert juste à montrer à quoi est censé ressembler le gameplay, mais il n'y a même pas de tutoriel dans ce jeu, vous allez voir c'est mal foutu. Ouais, super motivé le type, Sky Surfer, aussi motivé que moi en fait pour faire cette vidéo. Alors on a différents modes de jeu, chute libre, multijoueur, attraction, démonstration dont je viens de vous parler, et puis bon, les trucs classiques, charger, sauver, on va faire un petit tour dans les options. Tout ça pour se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose, même pas le minimum syndical, on n'a pas accès à une configuration des commandes, donc on ne sait même pas à quoi peuvent bien correspondre les différentes touches de la manette. Et moi, comme j'ai acheté ce jeu d'occasion, sans mode d'emploi, sans notice, eh bien j'ai dû tout deviner par moi-même quelles étaient les différentes commandes du jeu, et je peux vous dire que c'était tout sauf intuitif. On a le choix entre 4 personnages, tous très charismatiques, ils ont beaucoup de personnalités, ils s'appellent America, France, Japan, Germany, donc vraiment des personnages inoubliables qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs de joueurs. On a également le choix entre 4 planches, et moi je comprends pas trop pourquoi ils nous proposent des planches totalement déséquilibrées. Logiquement, on va choisir la planche la plus équilibrée, c'est-à-dire celle-ci. On a toujours de la pub en arrière-plan, que du bonheur, ça fait plaisir. Et là donc je vous montre le mode chute libre, et j'ai le choix entre différents niveaux, mais je vais prendre le niveau entraînement car c'est le seul niveau à peu près jouable, et j'insiste sur le à peu près. C'est parti, alors déjà magnifique bug de collision graphique avec les pieds du personnage qui passe à travers l'avion, mais c'est pas grave. On me dit préparez-vous à voler, mais hein, j'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Et donc ce mode entraînement, il nous propose d'effectuer différentes combinaisons de boutons qui sont affichées à l'écran, enfin qui sont affichées pas en permanence, parce que sitôt que je ne suis plus tout à fait droit avec ma planche, on me dit « contrôlez votre balance », et c'est super chiant, parce que quand ça me marque ça, je ne peux pas voir les combinaisons de boutons à effectuer, je ne peux pas faire de figure. Alors pour me remettre droit, je dois me repérer grâce à cette sorte de boussole qu'on a en bas à gauche, et qui est censé représenter la ligne d'horizon, le ciel, la terre, enfin heureusement qu'il y a ça, parce que sinon moi j'arriverais pas à m'y repérer. Et puis juste en dessus, on a le joystick, et ça nous explique finalement quand on doit rééquilibrer dans quel sens appuyer, voilà, dans quelle direction appuyer. Et alors voilà, on effectue les combinaisons de boutons, mais après on nous dit pas ce qu'on est censé faire, et ce qu'on est censé faire c'est utiliser le joystick droite, et tourner, 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 tourne les violons, et finalement, même quand on fait ça, le perso s'arrange pour foirer la fin de sa figure, et on a droit à un « Oh mon Dieu !» Et ça, c'est pas bien, hein, parce qu'on doit pas invoquer le nom du Seigneur en vain, je le rappelle, surtout pour un jeu de merde comme celui-ci. Alors comme je n'ai pas eu la notice avec ce jeu, on pourrait penser que je ne suis pas vraiment apte à parler de son gameplay, vu qu'il me montre probablement des éléments pour réellement en profiter. Mais ils avaient qu'à aussi faire un mode entraînement, un mode tutoriel complet, parce que là c'est juste à moitié complet. Il nous manque la moitié des informations dont on a besoin si on ne connaît pas le jeu.
Mais je vous rassure, ceux qui à l'époque ont acheté ce jeu neuf avec le manuel d'instruction et qui donc ont pu prendre connaissance des différentes commandes, ils sont unanimes sur le fait que c'est un gros jeu de merde. Et là, j'ai pu ouvrir mon parachute avec les touches L1 et R1 en appuyant simultanément. Et je me retrouve avec une petite phase à la Pilot Wings où je dois prendre les courants qui me permettent de regagner de l'altitude. Donc ça fait penser à Pilot Wings, au moins bien. Est-ce que c'est vraiment utile de le préciser? Bah, c'est un Non. jeu de merde, donc forcément, c'est moins bien que Pilot Wings, qui lui n'est pas un jeu de merde. Et donc pour contrôler le parachute, je me sers des deux joysticks. Alors ça va, c'est pas vraiment injouable, c'est même une phase pas trop ratée comparée à celle qu'on a vue avant, qui était vraiment minable, quoi, vraiment minable. Mais je devrais pas dire du mal de ce jeu. Non, non, il faut pas, parce que vous savez, cette vidéo, je vais la publier sur YouTube aussi. Et maintenant sur YouTube, quand on montre des images d'un jeu, on est obligé d'en faire la promotion, on est obligé d'en dire du bien de ce jeu. Oui, à Non. l'époque, on pouvait faire des vidéos tests sincères sur YouTube où on disait vraiment ce qu'on pensait. Si un jeu était merdique, eh bien on disait qu'il était merdique, et puis voilà. Après tout, le développeur n'avait qu'à s'en prendre qu'à lui-même s'il avait fait du travail de porc. Mais aujourd'hui, on peut plus faire ça. Aujourd'hui, quand on met une vidéo sur YouTube où on parle de jeux vidéo, on est obligé de dire du bien du jeu vidéo qu'on est en train de montrer. En fait, YouTube, maintenant, c'est devenu une plateforme de publicité pour les éditeurs. Et il faut respecter cela, hein, c'est très important. Il faut respecter l'oligarchie, il faut respecter les lobbies, il faut respecter les puissants. Ou alors sinon, on part du principe qu'il faut respecter son public et ne pas lui mentir, ne pas raconter de conneries. Et à ce moment-là, eh bien, on se dit que les lobbies, les puissants, on leur pisse bien profond à l'arrêt et on leur tire un gros doigt. Et moi, je serais plutôt dans cette optique, figurez-vous. Non, mais regardez la gueule des graphismes, regardez la gueule des environnements. Ils étaient mieux faits dans Pilot Wings sur Nintendo Non. 64. Bon, par contre, les personnages, là, ils sont mieux rendus, mieux modélisés, plus réalistes. Non, ils sont pas forcément mal rendus, les personnages. Mais alors, tout le reste, aussi les effets de lumière, quoi. Tu regardes le soleil, t'as l'écran qui devient tout blond. Ouais, magnifique. Ils étaient mieux faits dans Sega Extreme Sport, hein, les effets de lumière avec le soleil, qui est pourtant sorti sur la console que la PlayStation 2 était censée écraser. C'est Non, mais de ça. toute façon, ce jeu-là n'est pas représentatif du tout des capacités de la PlayStation 2. Et puis le parachute, quoi. Ok, on voit que c'est un parachute, hein, on peut pas le confondre avec un char à pute, mais regardez un peu l'aliasing sur les cordes, quoi, c'est moche. Et ça, c'est un problème qui était récurrent, hein, dans les premiers jeux PlayStation 2, et pendant pas mal d'années d'ailleurs. L'aliasing, le scintillement. Ce Sky Surfer, on peut le dire, il fait partie de la première fournée de jeux sur la console par rapport à la sortie européenne de la PlayStation 2. C'est un jeu qui est sorti en 2001, en juillet 2001, si je ne dis pas de conneries, mais peut-être que j'en dis. Alors déjà sur le plan de la réalisation, le jeu ne fait pas honneur au support sur lequel il tourne, mais en plus il a de gros problèmes, de grosses lacunes dans son gameplay par rapport à la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut. Elle se place à des endroits où on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle se fout ici? Ça m'arrange pas du tout. J'arrive plus à évaluer les distances. Enfin voilà, la caméra qui part un peu en vrille, qui fait un peu ce qu'elle veut. En même temps, on a vu que chez Tokka, la gestion de la caméra, c'était pas forcément leur fort. On l'a vu avec Soul Fighter. Je ne vais même pas réussir à terminer convenablement cet entraînement, puisque je vais me cracher comme une pauvre merde. Voilà, je n'évalue plus les distances, je sais plus où je vais. Et voilà, ça a fait un bruit dégueulasse, un shpok, mais sachez que si vous tombez dans l'eau, ça fera exactement le même bruit. Oui, exactement le même bruit. Et puis alors là, on a les scores qui mettent trois plombes à s'afficher, hein, qu'ils aillent se faire enculer. Et on se tape un temps de chargement, que je vous coupe parce que sinon c'est trop chiant, hein, je vous raccourcis tout ça. Et là, on retourne à l'écran titre, mais c'est magnifique, on se retape tout depuis l'écran titre. Non, franchement, ils pouvaient pas nous ramener juste à l'écran précédent, mais qu'on reste dans le même mode de jeu. Eh ben non, eux, ils nous ramènent directement à l'écran titre. Je vais à présent vous montrer l'autre mode de jeu principal de ce Sky Surfer, le mode attraction. Alors voilà, on choisit entre différents environnements. Et alors dans ce mode de jeu, que j'ai trouvé par ailleurs plus abordable que le mode chute libre, on comprend mieux ce qu'il faut faire ici, eh bien on se retrouve au-dessus d'une gigantesque souffleuse ou soufflerie, je sais pas comment on dit, enfin de toute façon vous avez compris de quoi je parlais. Et le but ici, c'est d'éclater tous les ballons. Et une fois qu'on a éclaté tous les ballons qu'il y a ici, eh bien après on en éclate encore plus, et encore plus, et encore plus. Alors comment ça se joue? Eh bien ça se joue avec les deux joysticks.
Il y en a un qui sert à pivoter sur soi-même, et l'autre à gérer l'inclinaison de la plonge, comprenez, à prendre de la hauteur ou à ne pas prendre de la hauteur, à perdre de la hauteur, à tomber, quoi, à être en chute libre. Donc il faut gérer avec les deux joysticks et toujours la caméra qui fout un peu n'importe quoi, ce qui fait qu'il faut vraiment s'imaginer où se trouvent les ballons. Il faut se faire une représentation en 3D dans sa tête de l'espace de jeu et se dire, ah tiens, là il y a un ballon qui se trouve dans mon dos, tiens, là il y a un ballon hors champ qu'on voit pas à l'écran. Enfin voilà, c'est pas forcément évident, mais je trouve ce mode de jeu, déjà comme je l'ai dit, bien plus abordable que le mode chute libre. Et alors les ballons, il faut les éclater en un temps limité. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que le jeu aurait pu nous proposer un système où chaque fois qu'on éclate un ballon, on regagne une demi-seconde. Parce que là, finalement, quand on voit que le compteur Super. arrive à zéro, eh bien on se dit, c'est foutu, ça sert à rien que je continue de crever des ballons si je sais que je vais pas y arriver. Parce que de toute façon, je ne gagne pas de temps supplémentaire en crevant des ballons. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Et là, je passe à l'étape 2, il y a plus de ballons. Remarquez que si je me foire à cette étape 2, eh bien, je ne peux pas reprendre directement à l'étape 2. Je suis obligé de me retaper l'étape 1. Et d'habitude, je n'ai rien contre le fait de me taper des tapins, 1, mais là, sur le coup, oui, ça me fait un petit peu chier parce qu'on perd du temps. Et puis, voilà, je veux dire, c'est tellement vite arrivé de tout à coup être hors du temps imparti et on se dit qu'on va Vite. devoir tout recommencer à zéro. Enfin, voilà. Je ne sais pas combien il y a d'étapes en tout. Et j'ai pas vraiment poussé le vice à trop jouer à ce jeu, je vous l'avoue, parce que voilà, c'est un jeu de merde, je l'ai dit, et je maintiens cet avis, je maintiens mon point de vue, même en sachant que ça ne plaira pas aux éditeurs qui ont fait ce jeu, enfin aux éditeurs et aux développeurs. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils espéraient, hein? Ils espéraient qu'on dise du bien de leur jeu juste parce qu'il était sorti sur PlayStation 2 et que ça permettait d'étoffer un peu la ludothèque de la console à ses débuts. Eh bien, si c'est pour étoffer la ludothèque avec des titres pareils, merci, mais abstenez-vous, les gars. Et alors, vous remarquez que le public qui est venu assister à ce show est composé exclusivement de personnes en deux dimensions. Voilà, des sprites 2D. Alors, à l'époque, c'était encore assez courant, je veux dire, dans des jeux de Dreamcast, on a aussi parfois du public en 2D. C'est pas choquant, mais là, le public, il est juste à côté, alors que d'habitude, le public en 2D qu'on voit dans des tribunes, dans les vieux jeux vidéo, bah, ça choque pas trop parce qu'il est quand même à une certaine distance. Là, ils sont juste à côté, donc ça se voit tellement qu'ils sont 2D. Alors, si je devais quand même trouver des points positifs ou disons pas forcément négatifs à ce jeu, je dirais que les musiques ne sont pas si mal que ça. Il y a un petit côté un peu Super Mario Sunshine ici. Oh putain, je vais me faire trucider juste parce que j'ai dit ça. Petit solo de guitare ici, plutôt sympathique. Enfin, ça reste des musiques relativement génériques, on est d'accord. Mais je trouve qu'elles font bien Vite. leur office, elles arrivent à accompagner l'action de manière convenable. Et comme c'est le point le moins négatif du jeu, ça valait sans doute la peine de le relever. Mais les voix dans ce jeu sont assez bizarres. Surtout celle-ci. Enfin, pour terminer, je vais vous montrer un dernier coup le mode chute libre. Cette fois-ci, je vais prendre une difficulté plus élevée pour vous montrer à quel point c'est totalement ingérable. Je vais prendre la difficulté normale et plus dure sera la chute. Oui, je sais, elle était facile celle-là. Et donc, c'est comme avant avec le mode entraînement, sauf que c'est pire. Ici, on n'a même plus les combinaisons de boutons qui s'affichent, il faut se rappeler des différentes combinaisons. Alors que ce sont même pas des combinaisons forcément logiques, mais bon. Et puis vous remarquez également la disparition du joystick qui s'affichait normalement au-dessus de l'espèce de boussole. Et vous allez voir que je vais perdre l'équilibre, je vais crever. Et voilà, c'est la fin, j'ai perdu. Et je vous recommande pas ce jeu, vous l'avez compris. Allez, je vous dis à plus.